Sky, l'ONG, le résultat de 2 ans d'enquête. Gunvor au Congo a tout du polar. Du pétrole dans un pays pauvre, un négociant qui pèse 50 milliards et la place financière. Je pense que cette enquête montre que les sociétés de négoce de matières premières, y compris les plus grandes d'entre elles, ont adopté un modèle d'affaires qui est hautement problématique, notamment parce qu'elles opèrent dans des pays où la corruption est absolument endémique. Dans ce polar, on trouve aussi le richissime fils du président, un employé de Gunvor et des intermédiaires qui auraient touché pour 32 millions de dollars de commission. Gunvor a alors porté plainte contre son ex-employé. Les actes de l'ex-employé étaient inconnus de Gunvor, qui continue de coopérer pleinement avec le ministère public de la Confédération. Gunvor, qui a son siège ici, à Genève, n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Il faut dire que la ligne de défense de la société qui accusait des employés indélicats a été mise à mal ce matin même par le ministère public de la Confédération, qui a mis en prévention, inculpé Gunvor pour ne pas avoir su empêcher de possibles actes de corruption. L'enquête a rebondi à cause d'une rencontre entre Bertrand G, directeur financier de Gunvor, et un proche du fils du président. La rencontre a été filmée, Public Eye en publie des extraits au relent de corruption. On versait des commissions, on était persuadé que tout se passait bien. C'est comme ça qu'on pourra soudoyer tout ce qu'on veut. Gunvor a alors licencié Bertrand G, qui a déclaré avoir agi seul. Une thèse qui ne convainc pas Public Eye. D'après l'une de nos sources, Bertrand G aurait reçu de Gunvor une somme importante pour prix de son silence, 700 000 dollars, ce qui pourrait expliquer qu'il accepte de prendre la responsabilité de ses actions. Contactés, ex-employés et intermédiaires n'ont pas souhaité s'exprimer. L'enquête du ministère public pourrait encore durer des années. Une enquête d'une rare complexité en Suisse, le 1930 l'avait révélé il y a plus de 5 ans. La police fédérale perquisitionne au siège d'un des fleurons du négoce pétrolier à Genève. La surprise est totale.